Et bonjour, c'est Grifox. On est en colis 3v3 sur bêta. Bon, on est censé savoir quelles sont les cases de placement ou pas là. Je vous avoue qu'avec les couleurs là, c'est illisible, donc c'était un peu au pif. Bon, j'ai même pas le temps de raconter ma life. Faut jouer. Mon sacri, il est invisible, on sait pas pourquoi. Je vais mettre direct. On a quoi là en face? Yup, c'est un Steam. Bon, allez, je vais bâti. Je pense que je vais blindage ma bâti. Je vais venir ébullition. Il est là mon sacri. J'espère. J'espère qu'il était là. J'ai pas le temps de jouer à l'aide. Ok. Compliqué, hein. Alors, le Steam en face. Pas beaucoup de reste-feu. En 6. Le Yop assez fragile. Ok, ça va partir sur du focus Steam ou Yop. On va ignorer le sacri. Ça va être ça le projet a priori. Ok, le Steam qui s'expose un peu. Ok, il a bugué autant que moi, c'est nickel. Ok, non, ça va en fait. Est-ce que j'ai moyen d'aller le choper? En vrai de vrai. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Ouais, je peux, hein. Je peux faire multi. Je peux faire tac, projection. Hop, on le cope à l'épée. Bam, projection. Que j'ai 4 PA restants. Maladresse d'arme peut-être. Ouais, maladresse d'arme, ça sera bien. Hop. Hop, je me cache. On va go sur le Steam direct. Direct. Par contre, vraiment le sacri qui est. Il n'y a que sur le compte du sacri que je sais où mon sacri est, donc c'est hyper difficile pour suivre le match en fait. Ça, c'est très pénible. Ok, ça joue au zénith, au moins les choses sont dites. Après, bon, là, il me tape, je suis pas héros. A priori, ça devrait aller, faut faire gaffe comme ça peut être dangereux. Je suis quand même à 41% res R sur mon mode. Ah, il m'a mis une bonne claque, hein. La tannée, bon, ok, c'est fine. Moi, je vais venir directement, a priori, sur le petit Steam. Tiens, prends ça. Je vais quand même venir nous mettre un petit boost PA. Là, il me reste 5. Tiens, hop, ras le PA, ça t'apprendra. Tiens. Tiens. Et j'avance parce que le ligne est quand même bien tanky. J'ai pas envie qu'il y ait trop de distance et j'ai pas envie que ça se split. Ok, le sacri qui joue à la crocobure. Ça a l'air d'être du dégât terre, j'ai l'impression. Attirance en taille, ouais. Oh, c'est sympa l'animation d'entaille, je trouve ça assez joli. Bon, on va go sur le Steam au taquet, je pense, nous. Hein. On a pas tellement le time de se prendre la tête. Donc, faut que je fasse gaffe à mon sacri. Ok, il jouera après, ça ira. Je vais venir ici. Foreuse. Peut-être bien par là. Allez-y, par là, la foreuse. Foreuse. Surtension. Embuscade. Je sais que c'est sur l'ivoire, mais on est rod, vous inquiétez pas, c'est au petit. 7 PA là-dessus. Je peux peut-être lui caler une harpo comme ça. Vous inquiétez pas qu'il a pris tarif là. Tiens, hop. 4 PA. Voilà, là on est good. Le Steam a pris une sacrée sauce. Mon sacri, il a 2000 PV. Là, c'est le Steam qui joue, mais le Steam a 7 PA, il a pris du ral. J'ai ma transpo. J'ai encore plein d'outils défensifs sur le sacri. Je l'ai un peu envoyé au charbon, le sacri, mais ça m'a permis de cope le Steam. Et ça m'a mis très bien, parce que là, j'ai mis un timing. Il avait des res faibles feu. Du coup, mon ennemi, il l'a bien découpé. Donc là, on va voir ce qu'il me sort. Flibuste, ok, si c'est que ça. Il se met en face de moi, je peux le rush. Il fait très mal par contre. Là, j'ai pris bien cher là. Je suis taclé ou pas? Tiens, je peux venir ici.
Oh, je peux faire un move de génie, regardez ça. Je peux faire assaut. Elle est là. Afflux. Couronne d'épines. Désolation. Et muti. Normalement là je me prends masse bouclier. Voilà, j'étais pas bien. Là je suis à 1500 PV de 3000 points de boubou. GLHF, jeune yop. Bon, j'ai pas fini le Steam du coup, mais en vrai ils vont pas pouvoir lui faire grand chose de plus. Faudrait que j'arrive à faire un tour un peu plus sympa sur mon ennemi. Pour bien venir soigner le sacri. Les sorts que j'ai de zone qui soignent. Vacarme, soigne les alliés, occasionne des dommages feu sur un feu follet, ok. Le mot distrayant, c'est une zone sympa. Typiquement, si je vais là, normalement j'ai une ligne de vue Diago, je peux faire un mot distrayant comme ça. Ah, mais attendez, en fait, je peux même. On peut pas quitter, c'est hyper galère. Mot distrayant. Ah bah non, puisqu'il y a mon sac. Ah! J'arrive, je peux pas jouer. Ok. Puisque c'est giga buggé. Ah oui, en fait le sacré était invisible, mais il y a quand même les lignes de vue dessus, MDR. Bon. Et puis tiens, vas-y, prends un boost PA maintenant que tu y es. Quel enfer, on voit rien. Bon, le sacré a repris une santé quand même. Le mien, en face, il n'est pas forcément giga bien là. En taille, il se pète les mains sur ma couronne d'épines. Donc normalement moi j'ai les outils pour tanker. Lui il me tape du point de bouclier, mais lui il perd des PV. Donc okay, il a fait sa couronne d'épines à lui. Alors le Steam, du coup j'ai un peu du mal à suivre parce que c'est pas évident. Ce que je peux faire, ça peut être éventuellement bâtiscaf. Ok, j'ai plus mon bâti, je vais le mettre ici sur tension. Je vais venir ici, aspi. On va juste faire un tour full safe. Il est là mon sacri? Il est là apparemment, ok. Tac, tac. Il me reste 5 PA. J'ai pas pu avoir les sorts que je voulais, c'est pas grave. Là, ils prennent cher. Non, normalement, ça a soigné mon sacri. Bon, on ne le voit pas, mais on le devine. On devine qu'il a pris du soin. Là, vas-y, on peut mettre du bouclier par là. On peut mettre du bouclier sur les tourelles. Sympa. Vas-y, prends du bouclier, c'est cumulable, ouais, 900 shield, c'est stylé. Donc là, maintenant, c'est à mon sacri. Alors, faut que je fasse gaffe, parce que il a mis la couronne d'épines. Bon, on va se remettre la muti, déjà. Je vais venir chercher le yop, comme ça. Ah, il est indéplaçable, le yop. C'est pas grave, vas-y, prends l'assaut, quand même, comme ça. Je vais faire un tour full regen. Et je me place comme ça, et là il prend l'ébène. Je me place comme ça, ce qui fait que s'il veut mettre son zénith, son sacri, il se régale aussi, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Normalement je me prends des petits boubous, c'est cool. Bon, je pense à utiliser quand même ma pupu, je commence à être un tout petit peu héros, mais c'est pas non plus une dinguerie. Est-ce qu'il y a des sorts intéressants que j'ai pas le réflexe d'utiliser? La furie c'est quand même bien, ça fait des dommages finaux, ça peut être bien que je prenne le réflexe aussi de les caler assez tôt dans le combat. C'est horrible. Quand on appuie en fait sur échappe, quand on est sur un sort comme ça, ça cancelle pas le lançage du sort. Donc après, une fois que t'es ça, tu peux plus cliquer nulle part. C'est très pénible. Le sacri doit être là, j'imagine. Je vais venir tranquillement mettre ça comme ça. Si j'ai bien compris, là, ça va booster ma fiole. Je peux récupérer du boost. Rebooster en PA le sacri. Et là, j'ai 8 PA. Tiens, prends du retrait. Moins 3, prends ça. Toi, tu prends du retrait aussi. Et je vais venir me caler ici avec Lenny. Ok, il s'est bouffé sa crocobure. Il est invisible également. Ah non, c'est moi qui suis invisible, hein, c'est vrai. Décimation. Je prends cher, attention. Heureusement, il a pris un peu de râle. Qu'est-ce que je fais là? Je peux peut-être. C'est à qui de jouer? C'est au Steam. Hein. Est-ce que j'ai les dégâts pour le tuer? Sans trop galérer. Ah, j'avais oublié la surtension avant, c'est pas de chance. Vas-y, je vais faire tac. 3 PA, il est mort. Je vais aller ici. Et donc là, normalement, je fais blindage et je proc mon Defus Cauchemar, il prend du soin. En plus, non.
n'a pas pris de soin? J'ai pas vu de soin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors j'avais proc avant. Mon bouclier monte à rien. Blindage. Oui, c'est passé un truc bizarre. Ou alors ils ont inversé les mécaniques du Dofus Cauchemar. J'ai pas tout capté. Je suis en état muti ou pas là? Bon, bref. C'était sympa. J'ai des dégâts de zinzin a priori. Hop là, boum. Bon, bah il se passe des choses dans les colis. Je suis pas sûr de toujours bien tout comprendre, mais c'est sympa. Voilà, on s'amuse bien. Non, vraiment, il y a un gros problème de lisibilité. Il y a tous les trucs qui sont porteurs d'informations importantes sont buggés. Donc en fait, c'est compliqué. J'essaie là, je me suis chauffé pour jouer un peu en mode tryhard, essayer de faire une bonne compo, de réfléchir au stuff et de jouer un peu. Mais en fait, j'ai l'impression que là, le jeu est juste pas assez jouable pour qu'on puisse tryhard. Donc je suis un petit peu frustré.